Naples au baiser de feu, un film de 1937 d'Augusto Genina, avec un scénario de Henri Janson et Marcel Achard, d'après le roman d'Auguste Bailly, et des dialogues de Henri Janson, et la musique de Vincent Scotto. Notons qu'il y a eu une précédente version de Naples au baiser de feu, c'était en 1925, avec Gaston Modo et Gina Manès. Dans cette version, nous retrouvons Mireille Balin, Viviane Romance, Tino Rossi, Michel Simon, Marcel Daliot. Le sujet. Tino Rossi chante dans un restaurant napolitain. Il est fiancé avec Mireille Balin. Une jeune aventurière, Viviane Romance, s'éprend de Tino Rossi et le bouleverse au point qu'il abandonne Mireille Balin le jour de leur mariage. Mais Tino Rossi comprend vite son erreur et revient vers sa petite fiancée qui pardonne. Ce film a connu un succès considérable et qu'il doit beaucoup à la présence de Viviane Romance, dont on peut dire que c'est le premier grand film, en tout cas le film qui la lance et qui la catalogue dans un rôle de vamp. En 1937, Viviane Romance n'a que 25 ans, mais elle a déjà une longue carrière derrière elle. Elle a commencé comme modeste girls au Moulin Rouge, où elle s'était fait remarquer en giflant, oui, en giflant, l'illustre Mistinguette, un crime de lèse-majesté qui ne passe pas inaperçu. Ensuite, elle se fait également remarquer à l'occasion d'un concours de beauté où elle est élue Miss Paris en 1929, avant qu'on ne découvre qu'elle était enceinte. Elle est bien sûr aussitôt destituée de son titre. Alors ensuite, dans les années 30, elle va commencer à faire quelques silhouettes au cinéma, et c'est Julien Duvivier qui va la repérer, d'abord en lui donnant un tout petit rôle dans La Bandera, puis dans un rôle plus important, dans La Belle Équipe. Alors déjà dans La Belle Équipe en 1936, elle jouait les garces, mais alors là, avec Naples au baiser de feu, là, elle passe à une vitesse supérieure. Dans ce film, elle interprète le rôle d'une fille perdue, ce qui lui donne l'occasion de jouer un certain nombre de scènes déshabillées et assez suggestives, ce qui n'est pas, bien sûr, sans participer de beaucoup au succès du film. Il faut dire que Viviane Romance est une jolie femme, c'est une ancienne girls du Moulin Rouge qui en a vu d'autres, et les scènes un petit peu dénudées ne l'impressionnent pas du tout, c'est le moins que l'on puisse dire. Mais il n'y a pas que cet érotisme qui va marquer les imaginations. Cette fille perdue, qu'interprète Viviane Romance, est vraiment un personnage qui sort de l'ordinaire. On n'est pas du tout dans la Marie couche-toi là habituelle des petites opérettes ou des petites comédies. Bien sûr, c'est une femme intelligente et calculatrice qui va utiliser les hommes avec beaucoup de cynisme pour obtenir ce qu'elle désire, mais jusque-là, il n'y a rien de très original. Ce sont les caractéristiques habituelles de la fille de mauvaise vie qui plume le pigeon. Mais ce qui est très inhabituel, c'est que justement, Viviane Romance, dans ce film, ne se contente pas de plumer le pigeon. Lorsqu'elle séduit Tino Rossi, Michel Simon ou Marcel Daliot, lorsqu'elle obtient ce qu'elle veut, en réalité, elle va au-delà. Elle va au-delà de son intérêt. Elle a une certaine cruauté, elle a une certaine jouissance à humilier et à détruire les hommes. Et là, on sort des limites conventionnelles habituelles. Viviane Romance souhaite se venger des hommes en général, et quels qu'ils soient, certainement en raison des mauvais traitements qu'elle a subis étant jeune. Ça n'est pas une cocotte, c'est une combattante de la guerre des sexes. Il y a une certaine cruauté dans ce personnage et même un certain dérèglement psychologique, psychique. Oui, ça n'est pas du tout la femme libérée et épanouie qu'interprétera par exemple Brigitte Bardot dans les années 50.
on en oublierait presque les autres acteurs du film, et ça serait un tort, car l'interprétation de Michel Simon est absolument exceptionnelle dans ce film. En théorie, il ne joue qu'un faire-valoir, le faire-valoir de Tino Rossi. Mais en réalité, comme c'est souvent le cas avec Michel Simon, il va tirer la couverture à lui, on ne voit que lui, et il interprète donc un rôle de soupirant frustré qui aime Viviane Romance sans aboutir à ses fins, et il exprime une grande souffrance psychologique lui aussi. La réussite de son interprétation tient au fait qu'il exprime des sentiments très différents, de la naïveté, de la colère, de la résignation, de la frustration, etc. C'est un vrai feu d'artifice. Si Michel Simon et Viviane Romance interprètent leur rôle avec beaucoup d'intelligence et de vérité, on est frappé en comparaison par la faiblesse et la platitude des prestations des deux vedettes officielles du film, Tino Rossi et Mireille Balin. Leur jeu totalement inexpressif est d'autant plus étonnant que leur liaison amoureuse était particulièrement passionnée et compliquée, mais à croire qu'ils faisaient leur meilleure scène, non pas devant la caméra, mais dans l'intimité. Des scènes de ménage auxquelles, malheureusement, le public n'était pas convié.